Salut à toutes et à toutes, c'est Moïdra. Alors aujourd'hui, vidéo actu. Alors si vous n'êtes pas au courant, c'est officiel, Amber Heard a perdu son procès contre Johnny Depp. Et donc elle est condamnée à lui payer à peu près, je crois, 15 millions de dollars. Et il y a, voilà, quelqu'un qui, dans sa grande intelligence ou viciosité ou ce que vous voulez, perfidie, a ouvert une cagnotte pour l'aider à payer Johnny, à payer. Parce que voilà, le truc c'était quoi? C'était, je crois, Amber. Et les réseaux sociaux ont protégé l'agresseur. Sa condamnation dépasse son patrimoine. C'est tellement triste qu'elle a réussi à échapper le justice, tout ça. La condamnation encourage celui qui abuse. Si vous pouvez aider là, pouvait-on lire dans la description? Très important, oui. Voilà, faut mettre en empathie celui qui va faire un don, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, le site, voilà, la cagnotte a été créée par une certaine Kimberly Moore, qui assurait avoir été en contact avec les avocats de l'actrice, réclamait 1 million de dollars. Donc voilà, elle a ouvert une cagnotte, tu vois, et mais le site, il a réfléchi, il a dit, ah, il y a un peu magouille, j'ai l'impression. Et selon GoFundMe, c'est-à-dire la plateforme de participation, le crowdfunding, tout ça, eh ben, ni Amber Heard, j'arrive jamais à dire son nom en fait, Heard ou Heard, j'arrive jamais à le dire. On va dire Heard, voilà, ce sera plus simple. Ni son équipe n'avait eu de contact avec la créatrice de cette page. Au terme de quelques 13 heures de délibération dans un tribunal près de Washington, les sept jurés ont donné raison cette semaine à Johnny Depp sur les trois motifs de sa plainte en diffamation, lui octroyant 10 millions de dollars de dommages et intérêts et 5 millions de dollars de dommages intérêts majorés. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, aider là, tout ça. Mais quand on voit le cas Pécresse, nous, qu'elle a réussi à avoir ses 5 millions, hein, parce que voilà, c'est toujours ça, c'est la droite ou la fausse droite, diront certains. C'est-à-dire, ils sont là tous les jours à venir dire oui, les assistés, le RSA, tout ça. Et quand c'est eux, non, c'est pas les assistés, c'est ce deux poids deux mesures, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire, ça marchait bien parce que quand tu vois qu'ils sont capables de donner 5 millions à l'autre, je ne fais aucun doute que la personne, elle aurait eu des millions. Elle serait barrée avec et elle aurait dit voilà, ben, c'est ma maison. Moi aussi, j'ai pas de patrimoine, hein, sinon je m'amuserais pas à faire des cagnottes là. En vous prenant pour des cons et des connes. Donc voilà. Et il y avait matière à faire. Hein. Il y avait matière. Moi je dis, il y a des gens, ils auraient payé. Ça, c'est une, ils auraient donné. C'est une évidence. Donc voilà. Hein. Donc ces petites vidéos hein, pour dire qu'il y avait une cagnotte et qu'il y en a, ils vont surfer, à mon avis. On va peut-être voir dans les prochains jours un certain nombre de dingueries que même moi, je ne pourrais peut-être pas pronostiquer. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé ou détesté. J'espère que vous l'avez quand même aimé, hein, c'est l'intérêt. Participez, commentez, likez, dislikez, hein, et abonnez-vous. Ça vous permet d'être au courant des dernières nouvelles et de faire grandir ma chaîne pour que plus de contenu soit mis en avant. C'était Moïdra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.